Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de Ton Inquiète. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le légendaire chevalier noir Batman de chez Hachette et on va continuer avec le numéro 61, le numéro 62 et le numéro 63. Mais avant de commencer les amis, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Vous pourrez avoir les vidéos en avant-première. Allez c'est parti! Alors, présentation de ce numéro 61. La trilogie, les vilains de second ordre. Dans la trilogie de Christopher Nolan consacrée au Chevalier Noir, les héros affrontent toutes sortes d'adversaires, y compris certains qui appartiennent à diverses organisations criminelles. Les principaux méchants du second plan. Le mal derrière le masque. Alors, on peut voir ce que nous avons dans ce numéro. L'articulation du torse. Le kit de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Year of the Villain. Hell Arisen. Le mal contre le mal. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 61. En 61-01, support de la structure du torse. Bon, c'est ces deux pièces-là. Ensuite, en 60-02, articulation du torse. Ensuite, en 61-03, palier de l'articulation du torse. Le système d'articulation habituel et le petit sachet de vis bleue qui va bien. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va prendre notre pièce 61-02 et on va venir donc positionner notre pièce 61-03, donc le palier d'articulation. On va venir se placer comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les petites vis bleues. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner la première pièce 61-01. Alors je regarde au niveau de cette forme là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis. Apparemment cette partie là, donc on va dire elle est côté droit, et on va venir placer de cette façon là. Donc même chose ici et ici, on va maintenir avec les petites vis bleues. Et ben c'est parti. Voilà comme ceci. Et maintenant on va juste emboîter la deuxième pièce 61-01. On va venir la placer, voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir la positionner, donc l'écrou orienté vers la droite. Là, on a l'avant du corps de Batman. Et on va juste venir le positionner, voilà, comme ceci. Je me rapproche, voilà, comme ceci. Et donc ici, et même chose de l'autre côté, on va maintenir avec les petites vis bleues. Et ben c'est parti.
Et voilà qui est fait. Et ce sera donc tout pour ce numéro 61. On passe tout de suite au numéro 62. Alors, présentation de ce numéro 62. La trilogie Batman versus Bruce Wayne. La dualité Bruce-Batman dans les BD. Les gains de la trilogie. Alors, on peut voir ce que nous avons dans ce numéro, la coque de protection du dos. Le guide de montage et le résultat à l'issue de ce numéro. Batman, Superman, les infectés à la croisée des chemins. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 62. Donc, grosse pièce en plastique. Donc, coque de protection du dos. Voilà. Et nous avons un sachet de petites vis noires. Et ben on passe au montage. Alors, première étape, on va déjà venir placer le corps donc de Batman. Je m'y approche le plus possible. Et on va venir donc placer notre pièce. Donc on voit ici un petit creux et la partie la plus fine, on va dire ça comme ça, vers le haut. Donc cette partie là est un peu plus large vers le bas comme ça. On va venir se positionner au niveau des quatre tétons qui sont là. On va venir se positionner. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on est bien aligné, on va maintenir donc avec nos quatre vis noires. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera tout pour ce numéro 62. On passe tout de suite au numéro 63. Alors, présentation de ce numéro 63. La Bat-Famille en bande dessinée et au cinéma. Les mille et un Alfred. Christopher Nolan. Alors, on peut voir ce que nous avons dans ce numéro, la coque de protection de l'abdomen. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Batman's Grave, le meilleur détective du monde. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 63. Donc, nous avons la coque de protection de l'abdomen. Pour le dos, grosse pièce en plastique. Et même chose que tout à l'heure, petit sachet de vis noir. Et ben on passe au montage.
on va récupérer le corps de Batman. Et donc après le dos, on va venir positionner l'abdomen. Donc cette partie creusée vers le bas. Et on va juste venir réunir nos deux moitiés comme ceci. On voit que ça s'emboîte parfaitement des deux côtés. Et donc par ici, on va maintenir avec les petites vis noires. Et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne, les amis. Et voilà, donc juste pour se faire une petite idée, un recap. Depuis le début, un tout petit avant-goût de ce que ça va donner. Ça prend forme, ça prend forme. Il va être balèze, ce Batman. Et donc voilà, arrivé au numéro 63. Et voilà les amis, qui conclut donc la présentation de ces trois numéros. Et donc regardez, par rapport à moi, la taille qu'il va faire ce Batman. Encore une fois, vivement la suite. On a trop hâte de le continuer. J'espère vraiment, je pense qu'il va vraiment être pas mal à la fin, ce Batman quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Patience, patience. J'espère en tous les cas, les amis, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, commentez. On n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi, à très bientôt pour la suite de Construisez le légendaire cheval noir Batman de chez Hachette. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !